Aubergiste, à boire, ma coupe est vide. Et que ça saute. Si sa coupe est vide, la mienne est pleine. S'il continue comme ça, je vais devoir aussi lui réserver une chambre. Et c'est encore Bibi qui va trinquer. Alors, tavernier, ça vient ? C'est bien à toi, Golix. Je l'ai vu à l'entrée de ton auberge, chez Golix. Et bon, on peut dire qu'il n'y a pas foule ici, hein? Les temps sont durs, Romain. Et puis, si tout le monde était comme vous, j'aurais déjà mis la clé sous la porte. Ça, c'était ma dernière amphore. Regardez, votre ardoise. Il n'y a plus la place pour inscrire un chiffre romain. Quand comptez-vous régler? Je vais te régler ton compte, l'aubergiste. Pas en sesterces d'argent, mais en bronze laminé. N'oublie pas que grâce à notre puissance, nous avons conquis la Gaule entière. Ainsi, pauvre barbare, la modernité vous ouvre ses bras. Et votre Vercingétorix, là, croupissant dans les geôles à Rome, attendant des dieux de haut four. Quelle joie, par Mercure! Alors, m'oblige pas à sortir mon glaive, et mets-moi cette ardoise hors de ma vue. Qu'en fait, Golix? As-tu déjà vu ce portrait? Ces deux-là sont capables de tous les prodiges. On les dit dotés d'une force surhumaine, capable de tenir en échec nos légions. César m'a détaché spécialement de ma garnison à Rome pour m'occuper de ces derniers irréductibles. Et je compte bien mettre un terme à tous ces agissements. Je compte bien avant tout découvrir le secret de leur puissance. Ainsi devenu invincible, je retournerai à Rome renverser Jules et m'emparerai du trône impérial. César, ce sera moi. Alors, qu'attends-tu pour répondre? Pas moi, pas vu, je connais pas. Pas vu, moi. Dis donc, Golix, je ne suis pas venu crotter mes sandales en province pour me faire verdir par un vulgaire marchand de picrates. Alors parle, ou ton auberge, je la transforme en fait une paille. Je suis qu'un simple aubergiste, moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe un endroit secret. La forêt des Canultes. Seuls les dieux savent tout ce qui s'y mijote. Eh bien, par Jupiter, tu vas pas tarder à le savoir. Je te nomme volontaire pour me servir d'espion. En conséquence, tu seras récompensé. Et gare à toi si tu t'opposes à nouveau à la grandeur de Rome. Allez! Mais y voilà, arrête-toi. Golix, tu rentres dans cette forêt. Quand les druides te verront avec ton déguisement de Visigoth, peut-être qu'ils auront un élan de solidarité avec toi. Et bientôt, ils te confieront leur secret. Va, et ne me trahis pas.
Fagot, ici, par Belenos. Oh, Drit, je ne suis point Goth, je suis un Gaulois, je m'appelle Golix. Eh bien, Golix, tu m'as effrayé, je me suis coupé avec ma serre. Excusez-moi, Drid. J'essaye de m'échapper à un Romain. J'essaye de rentrer à Lutèce. Eh bien, si tu es Gaulois, n'as-tu pas lu que cette forêt est réservée seule aux druides? Bon, c'est pas grave. Mais je croyais que les Gaulois étaient en paix avec les Romains là-bas. Les Romains m'ont pris pour un espion. J'ai dû me faire passer pour un Goth. Ton histoire est curieuse, Golix. Quoi qu'il en soit, les Romains n'ont pas les yeux en face des trous. Je suis moi-même un Alexandrin. Mon véritable nom est Tamaris. Mais je me fais appeler communément Drolix. Je me suis effectivement converti au druidisme depuis peu. Comment que l'on appelle ça? Ah oui, l'intégration, l'assimilation, n'est-ce pas? À ce qui paraît, vous aurez une formule secrète qui donnerait force suprême. Et si nous passions à table maintenant, qu'es-tu venu donc chercher, Golix? Je voudrais connaître le secret de votre force. Alors ça, non, non et non. D'ailleurs, qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas un envahisseur Goth? Ça te va? C'est la nouvelle mode à Lutèce. C'est ça, moquez-vous. Avec votre secret, je pourrais rentrer et retrouver les miens. Eh bien, Golix, je ne suis pas sans cœur, mais j'ai du mal à croire à ton histoire. Il ne faut pas m'en vouloir, mais je refuse de te livrer le secret. Si les Romains m'envoient au lion, ce sera de votre faute. Golix, attends! Reviens, Golix! Je consens à te révéler le secret, et même à t'y faire goûter. Tu as réussi à convaincre mon cœur sensible. Allez, viens. C'est un secret qui se trouve. Quelle est la recette de cette potion, ô druide? Tu es curieux, Drolix, mais je vais t'expliquer. L'origine de cette potion se perd depuis la nuit des temps. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle ne se transmet que de bouche de druide à oreille de druide. Bon, il y a bien du gui et du homard. Le homard n'est pas nécessaire, mais il donne du goût. Allez, viens, Golix. La potion magique est prête. À moi la force surhumaine. Écarte-toi! Tiens! Vois ça, Golix! Allez, va,
Va, Golix, je m'occupe de ce Romain. Allez, va. Oh, druide, attendez, il me doit quelque chose. Danser. Que la fête commence.